Salut tout le monde, on se retrouve pour un make-up tout jaune aujourd'hui, donc toujours avec mon anti-cerne Maybelline en teinte 03 clair que je dispose en triangle et partout où j'ai des petites imperfections comme d'habitude. Ensuite je passe à la poudre de chez Fenty Beauty dans la teinte Banana et j'en dispose sur mon concealer et également sur tout le visage pour un teint unifié. Ensuite je passe au crayon à sourcils de chez Fenty Beauty également dans la teinte Ash Brown avec la petite brosse, super pratique. Je vais ensuite me servir de la Moroccan Spice palette de chez Fenty Beauty et j'utilise la teinte Marrakech. C'est un joli doré assez nacré et du coup je m'en sers de base mais je n'en mets pas sur ma paupière inférieure. Vraiment au-dessus et sur les côtés et en dessous de l'œil. Je me sers ensuite de la teinte Outside Lines de la palette Tartist Pro Remix de chez Tarte Cosmetics et j'en mets juste en dessous et légèrement sur le coin de ma paupière. Ensuite je me sers du Banana Frost de Fenty Beauty, donc c'est un crayon, et j'en mets sous tout l'œil. Ensuite je vais mixer Mixed Media et Moonlit pour mettre du coup sur ma paupière interne et à faire un petit mélange avec la teinte Spin histoire de faire quelques reflets bruns et je prolonge sous mon œil jusqu'à la moitié pour rappeler la couleur du haut. Je rajoute un petit peu de couleur sur ma paupière pour intensifier. Puis on passe au crayon Fenty Beauty Fly Pencil dans la teinte Grills et j'en mets à l'intérieur de mon œil cette fois-ci. Et je vais bien en mettre dans les coins internes en bas et en haut. Avant de mettre mon eyeliner mat de chez NYX, c'est vraiment mon préféré, il est super simple à mettre parce qu'il a vraiment une pointe très fine et donc vous pouvez vraiment travailler très facilement avec. Et en plus c'est un des eyeliners le moins cher du marché, donc allez-y. Ensuite je prends mon eyeliner jaune de chez Fenty Beauty toujours dans la teinte Banana Blaze. En fait c'est un make-up de banane j'ai l'impression les gars. Donc là il faut beaucoup de concentration pour vraiment faire un trait pas très épais, pas trop fin. Et du coup je le prolonge pas jusqu'à la fin, vraiment je le coupe à la moitié de mon trait d'eyeliner du bas. Ensuite je prends l'highlighter très connu de chez Fenty Beauty, le Trophy Wife. Moi c'est une édition spéciale pour les 30 ans de Rihanna. Et j'en dispose juste sur les coins internes avant de passer du coup au fossile de chez Azeredo. Du coup ce sont les Hollywood et du coup vous avez toujours moins 10% avec le code ALISSA10. Alors profitez-en. Donc je m'assure qu'il soit bien collé avant de passer à l'highlighter, où je vais bien évidemment finir ce look avec le Trophy Wife. Waouh, il est vraiment incroyable, magnifique, mais alors il est vraiment dur à porter en extérieur. Ou alors faut vraiment pas beaucoup en mettre, mais là, allez, on se lâche. Je vais me servir maintenant du Full Frontal, le mascara de Fenty Beauty, pour mettre du coup juste sur les cils du bas, étant donné qu'en haut j'ai déjà les fossiles. Puis je vais faire les contours de mes lèvres avec le Kylie Cosmetics, le crayon, donc dans la teinte Dolce K. C'est vraiment un nude dont je me sers très régulièrement pour vraiment donner un côté pulpeux à mes lèvres avant du coup de rajouter le lipstick de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Nude Pillow Talk également du coup qui est très connu. Et les deux vont très bien ensemble, je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore. Des bisous.